Au sommaire ce soir, les préparatifs de la grève des fonctionnaires et des salariés du secteur public, le report du cessez-le-feu en Bosnie alors que l'OTAN a de nouveau frappé des objectifs serbes, le cinquantenaire de l'ENA et la place des énarques dans la politique française, l'ouverture de la grande consultation nationale sur l'avenir de la sécurité sociale, la rentrée universitaire et la douceur de l'été indien. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le procès symbole d'une certaine forme d'esclavage qui s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal islamique des Émirats arabes unis dans le box Sara, une jeune Philippine condamnée à mort en première instance pour le meurtre de son employeur qui, selon elle, l'avait violée. Elle avait 16 ans au moment des faits. De très nombreuses associations de défense des droits de l'homme se sont mobilisées pour défendre ces jeunes femmes qui a peut-être obtenu une première victoire, l'ajournement de son procès à la fin du mois, le temps pour le tribunal de mieux étudier le dossier. Reportage Anne Gainsburger, Françoise Joly. C'est un tribunal d'appel. À Paris, vous nous avez promis que nous pourrions être ici et que l'accès serait libre. Mais ce matin, personne n'a pu assister à l'audience du procès de Sara, la petite bonne Philippine dont voici les parents. Aucun journaliste n'a pu filmer Sara. Tout juste, avons-nous pu l'apercevoir sans caméra quelques minutes avant que la cour décide du huis clos. Sara, elle aujourd'hui, n'avait Dieu que pour les trois juges. Les trois hommes qui devront décider de sa vie ou de sa mort, de tout reprendre à zéro pour dire si oui ou non elle a bien été violée, si oui ou non elle a tué en état de légitime défense. La cour doit se réunir à nouveau pour rediscuter de cette affaire et ceci dans tous les détails. Et s'il y a de nouvelles preuves, il faudra les présenter. Pas de visite à Sarah, pas de procès public. Et toutes les assurances qui nous ont été données à Paris, et je le répète, qui ont été données officiellement au Quai d'Orsay, n'ont pas été données. Sara, c'est elle. En juin dernier, le tribunal avait reconnu le viol, mais condamné l'adolescente à 7 ans de prison. Le jugement sera cassé, Sara rejugée et cette fois-ci condamnée à mort. Pour tenter de convaincre la justice, l'accusation a produit des photos de la victime, massacrée selon elle par 34 coups de couteau portés par Sara. La défense, de son côté, veut s'appuyer sur des expertises médicales pour dénoncer les viols successifs de Sara. Les trois juges du tribunal islamique d'Al Ain ont donc décidé que la prochaine audience aurait lieu le 30 octobre, pas avant. Car si Sara joue sa vie, le pouvoir émirati lui joue une autre partie. En acceptant le huis clos demandé par la défense pour, dit-il, protéger Sara et en promettant de relire le dossier de la jeune fille dans ses moindres détails, la justice de ce pays entend faire preuve de sa bonne volonté. Et l'on commence même à parler ici d'un possible pardon. La tragédie vécue par Sara sera longuement évoquée jeudi lors de notre magazine Envoyé spécial. En France, une bonne partie des 5 millions de fonctionnaires et de salariés du secteur public observeront demain mardi une journée nationale d'action en compagnie de Sophie Jouve, petit manuel pratique de l'usager pour un mardi très noir. Pour ce mardi noir, mieux vaut prévoir de bonnes chaussures de marche. La SNCF ouvre le bal dès ce soir 20h. Le trafic sera très ralenti sur les grandes lignes, les TGV et en banlieue, un train sur quatre en moyenne. Belle pagaille également à la RATP. Dans le meilleur des cas, 25% seulement du service sera assuré. Bus, métro, RER, le réseau devrait être quasi paralysé. Je ne viens pas à Paris. Donc vous ne travaillez pas demain? Ah non, c'est pas possible. Hein. Je vais quand même tenter d'avoir un RER et puis le métro. Et ça sera sûrement de la marche à pied en arrivant à Paris. En stop, j'ai 9 minutes en stop. J'utiliserai peut-être ma bicyclette. Du côté des écoles, le mouvement de grève devrait être très suivi. Beaucoup mettront la clé sous la porte. Certaines proposeront des services de garde. Je reste à la maison parce que mon fils ne va pas à l'école non plus, alors il n'y a personne qui peut me le garder. Service minimum dans les hôpitaux, service minimum aussi dans bon nombre de mairies et de collectivités locales. Ce ne sera pas vraiment le jour des démarches administratives. D'une manière générale, tous les services publics sont touchés. La Poste, la Sécu, EDF-GDF, les impôts, la météo. Même les policiers annoncent une grève des PV. On n'avait pas vu une telle mobilisation depuis 1986. Ça va être une pagaille pas possible, certainement. C'est une journée noire. Arrêt total. Et ce n'est pas la grande manifestation des fonctionnaires qui arrangera les choses. Prévue à 11h, ce sera une mini traversée de Paris. Eux aussi auront besoin de bonnes chaussures. Pour tout savoir sur ce qui sera ouvert ou fermé, sur ce qui roulera ou ne roulera pas, une seule adresse, le Minitel, le 3615, code France 2.
Tous les syndicats de la fonction publique se sont donc retrouvés pour lancer ce mot d'ordre de grève. Il faut remonter à 1986 pour retrouver une telle mobilisation, pour mieux comprendre les raisons de la colère des fonctionnaires et des salariés des services publics. Reportage de Sébastien Hubert et Maryse Richard. Ces gestes mécaniques, Catherine, demain, ne les fera pas. Elle a décidé de faire grève et de manifester à la Bastille, à Paris. Elle est motivée, déterminée. Il faut qu'on fasse une grève massive, parce que ça va faire peur au gouvernement, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on fait une grève massive et qu'on va dans la rue, il va peut-être réfléchir à deux fois. Mais pour Catherine, l'annonce du blocage des salaires en 1996 n'est pas la seule motivation. Les conditions de travail et l'avenir de la Poste sont aussi un motif d'inquiétude. On est trois, il faut faire un travail de quatre, parce qu'il faut rendre le même service aux clients. Qu'on soit trois ou quatre, il faut rendre le même service. Donc ce qu'il y a, on se fatigue, il y a des congés maladie, donc on ne peut plus continuer comme ça. Je veux dire, il faut absolument qu'il y ait des embauches de fonctionnaires. Côté SNCF, les conducteurs de train veulent surtout défendre une notion qui leur tient à cœur, le service public. Pour moi, la SNCF, ça ne doit pas être une entreprise qui doit être rentable. C'est fait pour rendre service aux gens. Donc la rentabilité, ça passe en second pour moi. Donc, il faut qu'ils se rendent compte de ça et qu'ils agissent en conséquence. Pour l'instant, on est dans un tunnel, on n'arrive pas à voir le bout. Alors, à force de dire aux gens que ça va aller mieux, on commence à ne plus y croire. Pour les fonctionnaires, cette grève n'est pas uniquement une question d'argent. C'est aussi un moyen d'exprimer un certain désarroi. Et du professeur à l'infirmière, tous tiennent le même discours. On l'a dit, ce sont les transports en commun qui risquent d'être le plus touchés demain, notamment à la RATP et à la SNCF, où les perturbations sont prévues à partir de ce soir 20h. Nous retrouvons tout de suite en direct live de la gare de Lyon, Yannick Letranchant. Oui, alors pour l'instant, la gare de Lyon est relativement calme, pas de répercussions encore visibles, puisque la grève n'est officielle, vous l'avez dit, que depuis quelques minutes, 6 minutes environ. Nous disposons de quelques prévisions fournies par les directions de la SNCF et de la RATP, à savoir un train sur quatre en moyenne sur les grandes lignes et les TGV, sur les réseaux banlieue et le RER, un train sur six, le métro, une rame sur cinq en moyenne, mais certaines stations seront peut-être fermées, les bus, à peu près un sur quatre. Ça peut être un peu plus, ça peut être un petit peu moins. Tout dépend en fait du nombre de personnes qui se déclareront grévistes, Bruno, demain à la prise de service. Merci. Conséquence de cette grève, la suppression du récital Courteveil à l'Opéra de Paris ou encore le gel des PV par les policiers qui, rappelons-le, n'ont pas le droit de grève. Plus sérieusement, les agents de la fonction publique hospitalière, on l'a dit, sont appelés également à la grève, mais un service minimum sera bien évidemment assuré. Reportage Elisabeth Esley, Daniel Lévy. Aujourd'hui, 6 infirmières et 4 aides-soignants s'occupent des enfants dans ce service de réanimation infantile. Demain, bien que la majorité du personnel ait décidé de faire grève, l'effectif sera le même. Il y a des lettres d'assignation. Tout le monde doit être là. Demain, je serai en grève, mais je serai dans le service parce que je suis assignée, donc je suis obligée d'être présente. Alors comment vous prenez ça? Pour vous, c'est un peu une restriction au droit de grève ou... C'est une restriction, mais je pense que quand on s'engage dans ce métier, on sait très bien qu'on a une obligation auprès des malades. Un peu de liberté, seulement quand l'effectif minimum a été atteint et les motifs jugés valables par la surveillante. Nous serons suffisamment pour que je puisse me permettre d'aller à cette manifestation qui est très importante. Je serai gréviste, mais je serai à la maison parce que j'ai 45 km de trajet à faire tous les jours, 3/4 d'heure, 1 heure. Donc il va me falloir un temps fou pour rentrer à la maison. À l'hôpital, l'effectif minimum, c'est dans chaque service qu'il est évalué, par chaque responsable, en fonction de la nature des soins et du nombre de lits occupés. Une organisation qui, semble-t-il, n'inquiète pas les malades. Les familles de malades et les malades eux-mêmes sont convaincus que l'hôpital saura faire face à la situation et que le sens des responsabilités de nos personnels ne sera pas mis en défaillance. Ici, on s'attend à ce que la grève de demain soit moins suivie que les précédentes, mais cet après-midi, beaucoup étaient encore indécis. Cette grève s'annonce très suivie dans le personnel enseignant, d'où l'inquiétude de nombreux parents. La garde des enfants et le service de la cantine seront-ils assurés? Reportage à Toulouse, Isabelle Delion, Olivier Combes. 350 enfants à l'école Pierre et Marie Curie à Toulouse, pas un demain n'aura le même emploi du temps. Eh bien, je vais aller à la campagne m'amuser. Parce qu'il y a ma mamie, alors... Je vais dormir. Peut-être que Claire va m'inviter. Ah bon? Super. Oui. Mais tu vas où demain avec maman? Je sais pas.
il ne veut pas répondre. Il va avec sa maman qui est enseignante à la manif, certainement. Et son papa aussi, voilà. Depuis vendredi soir, les parents sont avertis. Il n'y aura pas classe mardi. Les enseignants ont tenu à l'avance un conseil des maîtres informel. 18 sur 19 feront grève. Nous prévenons les papiers, comme ça a été fait, suffisamment tôt et par écrit, pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions et donc qu'ils gardent leurs enfants. Ça n'a pas posé de problème apparemment dans ma classe. Demain, vous serez à la manifestation ? Ben évidemment. Pour une place, l'école restera ouverte, la garderie sera assurée, mais pas les repas à la cantine. Théoriquement, les enfants pourront être gardés entre 11h30 et 13h30. Il faut qu'ils apportent leur sandwich. Mais à ce cas-là, il faut qu'ils portent leur repas. Avec le temps qu'il fait, ce ne sera pas un problème. Les parents ont donc eu 3 jours pour s'organiser, à chacun sa solution. Paye quelqu'un à la journée pour garder les enfants. Comme j'avais fait des heures supplémentaires, je récupère les heures. Tu viendras avec moi au travail demain matin. Hein ? Oui, tu fais grève si tu veux. Le ministre de l'économie a exclu un coup de pouce aux fonctionnaires, toute hausse de salaire étant gelée en 96. Le ministre de la fonction publique, Jean Puech, a regretté quant à lui, à l'occasion d'un entretien au Figaro, cette grève de la fonction publique en expliquant que l'effort demandé aux Français devait être réparti de façon équitable. Et vous le voyez tout à l'heure, lors d'une cérémonie commémorant le cinquantenaire de la fonction publique, Jean Puech a affirmé que la France avait besoin de la mobilisation des fonctionnaires, besoin d'une fonction publique motivée, formée, consciente de ses responsabilités, rapprochée du terrain et du citoyen. Au lendemain de cette grève, c'est le secrétaire général de Force ouvrière, Marc Blondel, qui sera l'invité de Gérard Leclerc dans les 4 vérités à 7h50. Coïncidence du calendrier politique, dimanche prochain, 2 anciens élèves de l'ENA, Alain Juppé et Lionel Jospin, seront élus respectivement à la tête des 2 principaux partis de France, le RPR et le PS. C'est aujourd'hui que l'on fête l'anniversaire de la création de l'École nationale d'administration, il y a 50 ans. Le gouvernement actuel compte 7 ministres issus de l'ENA, le pourcentage le plus bas depuis 81, mais on recense plus de 110 énarques au sein des cabinets ministériels, record pulvérisé. Que pensent les hommes politiques de droite comme de gauche, issus de l'ENA, de cette institution tant décriée ? Réponse avec ce reportage de Nathalie Saint-Cric et Jean-Marc Sursin. L'ENA, vous savez, c'est un concours, hein. Un concours à l'entrée, un concours à la sortie, on n'apprend pas grand-chose, hein. Il vaut mieux avoir appris quelque chose avant. Avant l'ENA, le recrutement dans la haute fonction publique, ça se faisait vraiment par caste. Et c'est une école qui est démocratique. Ils savent tout. Ils savent tout, mais le problème, c'est qu'ils en sont convaincus. Beaucoup trop parisien. Aujourd'hui, en 95, ne pas avoir fait l'ENA, une fois encore, c'est plutôt une force qu'un désavantage. Ce qu'on peut reprocher à l'ENA, c'est l'apprentissage de la prudence, le conformisme de la pensée. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais ils ne sont pas très nombreux. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des défauts types des énarques ? Ce que certains appellent la pensée unique ? Certainement. Si je disais le contraire, on dirait que c'est prétentieux. Mais est-ce que c'est la seule école qui forme des gens qui ont des défauts ? Pas la seule, mais une des plus attaquées. On dit l'énarque, parisien et bourgeois d'origine, coupé du réel, n'ayant que rarement mis les pieds dans une entreprise. Alors, pour ses 50 ans, l'école du service public, qui sait qu'elle a mauvaise presse, veut repartir sur le terrain. Les énarques sont des hauts fonctionnaires, en général compétents, en général honnêtes. Simplement, il faut probablement les rapprocher plus des réalités dans la formation, en développant la partie pratique de leur formation. Et s'il est à la mode de taper sur les technocrates, responsables, dit-on, du fameux mal français, beaucoup considèrent qu'il est un peu facile de les mettre seuls en accusation. Moi, je trouve surtout que les énarques prennent une place trop grande lorsque les politiques abandonnent leurs responsabilités. Alors, l'ENA, école du pouvoir peut-être, mais sans oublier que pour quelques présidents de la République, quelques bataillons de ministres, ils sont des centaines à servir tout simplement l'État. Énarque lui aussi, Jacques Chirac est pour 2 jours à Madrid à l'occasion du 9e sommet franco-espagnol. Peu de nuages entre Paris et Madrid et ce sont les questions européennes qui vont dominer l'ordre du jour de ce sommet qui a débuté par un déjeuner du président français avec le roi Juan Carlos et le chef du gouvernement espagnol Felipe González. Une nouvelle fois, la Bourse de Paris a terminé sur une baisse de l'indice CAC 40 de 1,3%. D'autre part, le franc français reste fragile, même si la tempête qui a quelque peu secoué notre devise la semaine dernière s'est calmée après la décision de la Banque de France de relever le taux de prise en pension à 24 heures de 6,15 à 7,25%. Commentaire Florence Duprat. Depuis vendredi, c'est la glissade. Le franc a perdu beaucoup de terrain face aux marques, 4 centimes. Il faut désormais 3,51 francs pour un Deutsche Mark.
Les sept argentiers réunis ce week-end à Washington ont tenté de désamorcer la crise. En vain, ce matin encore, les spéculateurs vendaient. Car cette fois, le dollar n'est plus le seul responsable de la chute du franc. Notre monnaie est face à une véritable crise de confiance. Les investisseurs étrangers ne croient plus à la capacité du gouvernement à réduire les déficits publics. Le climat social très tendu, avec demain la grève des fonctionnaires, renforce aussi leurs doutes. Inquiétude sociale, économique, politique, la Banque de France réagit vite. Elle ferme la porte à certains de ses emprunteurs et augmente ses taux d'intérêt. Un tour de vis lourd de conséquences, car le crédit plus cher pénalise les entreprises et les consommateurs qui dépenseront moins. S'il se serre la ceinture, c'est notre économie qui risque de s'essouffler et au final, le gouvernement aura bien du mal à renflouer ses caisses. En Bosnie, les autorités bosniaques ont décidé de repousser l'entrée en vigueur du cessez-le-feu prévu en principe pour ce soir minuit à Sarajevo. On dénonce d'autre part très vivement la reprise des bombardements par les milices serbes qui ont fait au moins 15 morts hier dans la région de Tuzla. En riposte, deux avions de l'OTAN ont bombardé cet après-midi des objectifs militaires serbes. Le prix Nobel de médecine a été attribué aujourd'hui conjointement à deux professeurs américains et à une allemande, Christiane Nusslein-Wollaert, qui vous voyez fête l'événement avec un petit verre de champagne, et cela pour leur découverte concernant le contrôle génétique du développement précoce de l'embryon. Le cancer tue actuellement en Europe plus de 800 000 personnes par an. Un Européen sur trois sera touché par cette maladie. La communauté a décidé de lancer une grande campagne d'information dans les 15 pays de l'Union européenne. Pour les chercheurs, c'est une véritable course contre la montre. L'espoir est de pouvoir intervenir sur les cellules avant même le développement du cancer. Reportage Françoise Vallée, Philippe Jasselin. Les spécialistes de la lutte anticancéreuse ont acquis une certitude. Le cancer est essentiellement un problème de communication. Tout se passe dans la cellule. La cellule a trois choix. Elle peut se diviser, se spécialiser et devenir une cellule nerveuse, par exemple, ou bien disparaître. Ce sont les gènes qui dictent le choix. Quand la communication passe bien, ces trois fonctions sont équilibrées. En revanche, si les gènes ne donnent pas le bon message, l'équilibre n'existe plus. Les cellules prolifèrent et envahissent les tissus. Des tumeurs apparaissent, c'est un cancer. Un problème de signalisation, disent les chercheurs. Nous essayons de décortiquer les relais qui interviennent dans la transmission de ces signaux. Et d'autre part, nous essayons de comprendre comment, au cours du cancer, ces relais sont perturbés et ne sont plus réguliers. L'espoir est d'identifier tous les relais en jeu pour intervenir le plus tôt possible, arrêter le signal s'il est mauvais ou le modifier pour éviter la prolifération des cellules cancéreuses. Autrement dit, la maladie est à présent bien connue. L'objectif des chercheurs est de percer le secret de sa communication. Comment boucher le trou de la Sécu ? Avant de prendre des décisions qui risquent d'être douloureuses pour nos portefeuilles, le gouvernement entend consulter les responsables des caisses mais aussi les assurés sociaux. Une grande consultation nationale vient de s'ouvrir qui va durer 3 semaines. Sur le front, tous les ministres concernés. Reportage à Amiens, Pascal Golomer, Claude Barnier. Ceci étant, nous terminerons en précisant la position du mouvement familial. Pas toujours très facile de parler devant un ministre, même lorsqu'on connaît son dossier. Car ici, à Amiens, les 200 invités sont des initiés. Élus, syndicalistes, membres d'associations, la Sécu, ils connaissent. Et ils sont venus en parler avec Eric Raoult. C'est ce qu'on appelle un forum, ce n'est pas toujours la franche rigolade. On a même droit à l'exposer au tableau. En tout cas, le ministre écoute et note consciencieusement. On a les chiffres en tête, on a des situations parfois difficiles et inquiétantes. Mais le souhait d'Alain Juppé, c'est d'abord d'écouter et ensuite on tranchera. Qu'on se le dise, le gouvernement veut donc sonder le terrain avant de prendre ses décisions en décembre pour redresser la Sécu. Bel enthousiasme, plus ou moins partagé. C'est un peu difficile dans un tel débat d'entrer sur des points de vue réellement plus techniques qui permettraient de réellement comprendre les mécanismes. J'ai l'impression, très honnêtement, que les décisions sont déjà prises et que ces forums, c'est tout simplement pour donner un caractère démocratique à la chose, c'est tout. Beaucoup de questions, les vraies réponses viendront plus tard lorsqu'Éric Raoult et ses collègues ministres en auront terminé avec leur Tour de France. Voilà, si vous voulez vous aussi faire connaître votre avis, vous pouvez adresser votre courrier de citoyen au Forum de la Protection Sociale, boîte postale 45 207 75 327, CEDEX 07.
Les ennuis immobiliers d'Alain Juppé suitent. Selon le journal Le Monde, l'Association pour la défense des contribuables parisiens a fourni au procureur de la République de Paris un nouveau document administratif tendant à prouver qu'Alain Juppé, alors adjoint au maire de Paris, exerçait bien la surveillance, terme juridique important, de l'administration dont il a obtenu son logement. L'actuel maire de Paris, d'autre part, Jean Tiberi, a décidé de porter plainte contre l'avocat de cette association, Arnaud Montebourg, qu'il avait qualifié de voyou et de menteur, ce que dément l'avocat. Grande première politique en France avec l'élection au suffrage universel direct par les militants du patron d'un parti politique, en l'occurrence Lionel Jospin. Quelques 100 000 militants socialistes se prononcent aujourd'hui par un vote secret. Reportage de Françoise David et de Nathalie Gallet à Épinay, où a été fondé le PS il y a 24 ans. Juin 1971, François Mitterrand prend la direction du Parti Socialiste. Ce congrès rend célèbre le nom d'une petite ville de la banlieue parisienne, Épinay. Les militants de la gauche socialiste avaient alors réalisé leur unité. 24 ans plus tard, toujours à Épinay, on a battu le rappel des adhérents pour participer à la désignation du nouveau premier secrétaire du PS et se prononcer également sur la rénovation du parti. Et pour les anciens d'Épinay, on renoue ainsi avec les principes fondateurs. Maintenant, on se réclame à nouveau d'une certaine, pas d'une certaine, d'une unité certaine au sein du Parti Socialiste. C'est ce qui est revendiqué, recherché, attendu, espéré, et c'est ce qui est promis par cette nouvelle démarche du Parti Socialiste. Le problème en section, c'est surtout la différence des courants, le combat entre les courants. Je préfère avoir l'unité des hommes que les combats qu'on avait infructueux. Et désormais, c'est promis, la lutte des courants appartient au passé. Lionel Jospin s'en porte garant. Il se fait aussi le chantre d'une vie démocratique. Un message bien accueilli. Avant que de travailler, il a souhaité consulter les militants de manière très, très intime. Et je crois que c'est tout à fait à son honneur. Lionel Jospin deviendra officiellement premier secrétaire samedi, cela ne fait aucun doute. Il devra toutefois être attentif au taux de participation à ce scrutin interne. En attendant, le trésorier se frotte les mains pour voter. Les militants doivent être à jour de leurs cotisations. L'enquête sur les attentats, les autorités françaises concernées considèrent que la revendication par le GIA n'est pas établie tout en la prenant très au sérieux. Plus que jamais, en tout cas, le plan Vigipirate est maintenu. Je vous propose de suivre en compagnie de Vincent de Guyenne et de Jean-Marc Sursin le travail d'une équipe de policiers parisiens sur le qui-vive. Oui, TK83, vous vous rendez aux 15 places de la République, 15 places de la République pour un véhicule suspect. Oui, j'ai reçu déviation de périmètre de sécurité. Oui, c'est reçu pour les Oui, restons sur place, à la place de la République, gros embouteillage. Il est 15h15, une vieille Renault 25 est là, au beau milieu de la voie, arrêtée juste à côté des restaurants. Bon, ce qu'il va falloir faire, c'est évacuer le McDo, là, sur le côté, tous les gens qui sont à l'intérieur. Normalement, tout le monde est sorti. Même le personnel. Il faut prendre ça avec philosophie. Oh, bah, c'est ça, hein. On ne peut pas toujours quand c'est alors, tout si le temps, on vous voulez moral, pour aller quelque part, finalement, vous ne pouvez pas à cause d'une bêtise comme ça. Bon, bah, on va attendre le labo. Le labo, ce sont les démineurs du laboratoire central de la police. Après de longues minutes, ils arrivent. Ils vont passer 10 minutes. Plus longues encore, armées de simples tournevis, à inspecter la voiture de fond en comble. La R25 est vide, le labo ne la fera pas sauter. 15h50, c'est la fin de l'alerte, la circulation est rétablie. La fourrière emmènera la voiture, son propriétaire aura un procès-verbal pour abandon de véhicule sur la voie publique, à moins qu'il ne s'agisse, comme souvent, d'un véhicule volé. Le feuilleton OMVA suite avec une confrontation aujourd'hui à Béthune entre le député des Bouches-du-Rhône, Bernard Tapie, et un autre élu, Jacques Mélic. Cela dans l'affaire de faux témoignages ouverte début juillet contre le député-maire de Béthune. Les deux hommes se retrouveront dans 15 jours pour le procès en appel sur cette fameuse affaire OM Valenciennes. Rentrée difficile pour quelques 2 200 000 étudiants. Difficile parce qu'il fait très très beau et que l'on a guère envie de s'enfermer dans un amphi. Difficile surtout car on enregistre 50 000 étudiants de plus que l'an dernier et les places sont chères, notamment dans les grandes filières traditionnelles. Reportage à la faculté de droit d'Assas, Chantal Kimerlin, Frédéric Pasquette.
Mais comment trouver sa place dans une pareille foule? Ici, en droit, dans l'une des universités les mieux cotées de France, un amphi de 1700 places doit recevoir 2400 étudiants. Originalité 95, les responsables d'université lancent pour la première fois un cri d'alarme. Ça montre qu'il y a une démocratisation de l'enseignement supérieur, mais en même temps, cela pose des problèmes en ce qui concerne le marché du travail, parce que des emplois qui autrefois étaient occupés par des gens qui avaient le certificat d'études ou le baccalauréat, maintenant sont occupés par des gens qui ont un 2, une licence ou une maîtrise. Dans ce même amphi, plus de 60% des nouveaux venus échoueront en fin de première année. C'est la moyenne nationale en droit, comme en médecine, en histoire ou encore en psycho. Pour travailler, il n'y a pas de secret, quoi. 60% d'échecs en première année, qu'est-ce que ça vous fait? On était au courant. On était au courant. Et alors? Vous restez alors, toujours ici? Bah ouais, on essaie de s'accrocher. Parce qu'il faut sélectionner les étudiants à l'entrée de l'université, la société des Françaises n'est pas prête à l'admettre. En revanche, ici, il fait bon travailler. Il y a encore des places vides en filière technologique et professionnelle à l'université, en IUT ou en BTS. Et ceux qui sont là font la différence. Parce qu'on est mieux encadré, c'est une formation en 2 ans et on est pratiquement assuré d'avoir un emploi. Un emploi en moins de 6 mois après la sortie de la fac. Paradoxe de la situation étudiante qui se confirme depuis 5 ans, on ignore encore trop les nouvelles filières d'enseignement concret pour aller toujours en surnombre vers les filières classiques. Je vous le disais, ce n'est guère un temps à aller faire la sieste dans un amphithéâtre universitaire. L'été indien devrait perdurer au moins 3 ou 4 jours. Rendez-vous compte, on a relevé à Clermont-Ferrand 27 degrés sous abri à 16h, un 9 octobre, et 25 degrés à Paris. Il n'y a plus de saison, ma brave dame, comme diraient Nicolas Vinclair et Joseph Batchik. Le ciel gris, la petite brune froide, les mines pâles dans le métro, les petites mauvaises odeurs. Enfin, si vous n'étiez pas au parfum, l'automne à Paris, ça ressemble... Ça ressemble à ça. Et puis là, tout d'un coup, miracle, 25 degrés à l'ombre, c'est 2 de plus qu'à Athènes, c'est aussi chaud qu'à Mexico. Bref, un grand bol de chaleur, comme si on avait oublié qu'elle est terminée la saison du soleil, des nanas, de l'agadou et moule café, tout ça, tout ça. Quand elle est bonne, la météo, enlève tes bas. On a flirté toute la journée avec l'outrage à la pudeur, j'en connais même qui ont prétendu avoir la grippe pour arracher à l'automne quelques heures de complet bonheur. Mais ce qui est curieux chez les Parisiens, c'est cette tendance à s'inquiéter. En automne, il est censé pleuvoir, il est censé faire froid. S'il fait beau, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui cloche. L'ozone, les centrales bulgares, la comète de Halley, la vengeance des bébés phoques ou tous ces machins qu'on envoie là-haut, dans l'espace. Il fait beau, d'accord, c'est bien pour nous, mais autrement, c'est pas bien pour la planète. Ce qui fait, c'est que parfois, on est en plein hiver, il fait chaud. Parfois on est en plein été, neige, il fait froid. Il faudrait faire des choses quand même pour garder cette température-là, quoi, pas augmenter les choses. Qu'est-ce que ça va être de pire en pire? C'est vrai, rendez-vous compte, ça ira de pire en pire pendant au moins 3 jours. Et les Parisiens seront de plus en plus inquiets d'être aussi heureux. Ils n'ont pas compris qu'il en va du soleil comme du bon vin. Un jour ça va, 3 jours, ça va, ça va, ça va. Au Népal, l'espoir s'amenuise d'heure en heure de retrouver vivants les 2 alpinistes français disparus à plus de 8000 mètres d'altitude. Les responsables de cette expédition espèrent tout de même que ces 2 alpinistes sont redescendus sur le versant indien de la montagne. Reportage à Chamonix, Didier Guyot, Olivier Jacquelin. Au-dessus de 8000 mètres, impossible d'apprivoiser la nature. C'est au corps humain d'apprendre à résister. Mais dans ce monde extrême et hostile, les limites physiologiques sont vite atteintes. Sur l'Himalaya, les températures descendent à moins 30, voire moins 50 degrés. Il faut faire face à un vent violent et glacial, combattre la fatigue, et surtout il faut respirer là où l'oxygène fait cruellement défaut. On pourrait tout à fait représenter cette façon de respirer comme si on avait un sac en plastique autour de la tête, si vous voulez. La pression atmosphérique est tellement basse qu'au niveau des alvéoles, donc des poumons, la pression d'oxygène n'est pas suffisamment forte pour que l'organisme puisse puiser cet oxygène au niveau de ses globules rouges. Les scientifiques sont unanimes, au-delà de 10 jours, nul ne peut survivre, le corps est soumis à trop rude épreuve. Reinhold Messner a conquis les 14 sommets de plus de 8000 mètres. 2 alpinistes seulement ont réussi cet exploit. En escaladant l'Himalaya, il a vécu la même mésaventure, il n'a jamais baissé les bras. J'ai connu la même chose il y a 25 ans. Je suis redescendu avec beaucoup de chance et beaucoup de souffrance. On m'avait donné comme perdu, mais 7 jours après, je suis réapparu. Autrement dit, après 7 jours, il y a encore une petite espérance.
À Chamonix, tous les guides guettent la moindre nouvelle. Tous espèrent qu'ils sauront puiser les forces nécessaires, le plus mental, qui fait qu'un jour, ils reviendront dans la vallée. Il faut se battre contre la nature, dans ce contexte-là, on y est obligé. Bon, ce qu'il faut également, c'est arriver à puiser les forces intérieures qui font qu'on contient le coup, à la fois psychologiquement et le psychologie influe sur le physique. Benoît et Pierre, comme on les appelle ici, sont deux figures incontournables de la grande famille de l'alpinisme, une famille qui aujourd'hui retient son souffle. Ce sont des championnats du monde cycliste sang et or qui se sont déroulés hier en Colombie avec un doublé espagnol devant Indurain, victoire d'Abraham Olano, son coéquipier, deuxième de la Vuelta. En Colombie, café Virenque, me demanderez-vous. Eh bien, il a terminé sixième, seul français parmi les 20 rescapés à l'arrivée. Commentaire Laurent-Frédéric Bollet. Pas besoin d'être physionomiste, la ressemblance est frappante. Abraham Olano et Miguel Indurain, même visage, même nationalité et sur le même podium. Mais pas dans l'ordre que l'on croyait. Boyau arrière à plat dans le dernier kilomètre, Olano l'a échappé belle, après une belle échappée. Il tient bon sur son vélo déséquilibré, un vrai miracle, le dieu du cyclisme était avec Abraham. À 25 ans, c'est l'avènement d'un futur grand et la première victoire espagnole dans un championnat du monde. Victoire et doublé, Karine Duren termine deuxième. Miguel qui se sacrifie pour Abraham lorsque celui-ci démarre à un tour de l'arrivée. Miguel, le roi du Tour de France, qui n'est qu'un dauphin en Colombie, mais sa joie est presque encore plus grande. Indurain, qui devance l'Italien Pantani et le Suisse Richard. 98 partants, 20 classés, un seul Français à l'arrivée, Richard Virenque, 6e, bilan forcément décevant, mais sur un tel circuit, aller au bout était déjà un exploit. Olano devant Indurain, pour le contre-la-montre, c'était Indurain devant Olano. Ces deux-là ont tout raflé, à 2700 mètres d'altitude, ils ont apporté au cyclisme une bouffée d'oxygène. Carnet rose chez les ours des Pyrénées, avec la naissance d'un petit ourson. En fait, cet heureux événement remonte à quelques mois et il a été attesté par une photographie réalisée avec les difficultés que vous pouvez imaginer. Reportage Gilles Marinet, Philippe Dumail. L'ours est là, dans ce réduit montagneux qui domine les vallées d'Aspe et d'Osso. Il n'en reste qu'une demi-douzaine, tellement méfiant que les rencontres avec l'homme sont rarissimes. Et pourtant, le 16 septembre dernier, un appareil photo a fixé cette scène, un ourson de quelques mois en compagnie de sa mère. Aucun chasseur d'images n'aurait pu s'approcher à si courte distance. Mais justement, il n'y avait personne, seulement un boîtier discret, accroché à un arbre. C'est un système qui est muni d'un récepteur infrarouge et ultrason. Donc il détecte toute forme en mouvement et toute masse chaude, donc un animal, un ours en particulier, et qui, ce récepteur envoie un signal à l'appareil photo qui prend la photo de l'animal. Le système a été mis au point par la petite équipe chargée de surveiller le territoire de l'ours. Plusieurs boîtiers fournissent régulièrement des images. C'est ainsi que depuis l'an dernier, les spécialistes se doutaient qu'un ourson allait naître grâce à ces deux photos, prises en période de rut au même endroit, le 10 juin 1994, et montrant à 5 minutes d'intervalle une femelle suivie par un ours. C'est bon, on va être à l'horizontale sur le mètre hauteur à peu près. Bon. Choisir les emplacements demande une connaissance parfaite du terrain. De plus, il faut savoir inciter l'ours à passer devant l'objectif. Marquer quelques traces comme si c'était un passage d'ours habituel. Donc il va arriver là, il va voir ça, il va passer là, il va suivre. La prise de vue se double d'une prise d'empreinte. Voici un moulage de la patte de Papillon, père de l'ourson, qui lui aussi s'est fait piéger de nuit par la boîte à images. Ces photos sont très précieuses. Grâce à elles, il n'y aura pas de polémique stérile sur l'existence de l'ourson. Il faut désormais simplement veiller sur lui. Dans les endroits où se trouve cet ourson, il faut veiller à lui garder quelques zones de quiétude quand même. Ça c'est très important. Il n'y avait pas eu de naissance dans la montagne depuis 6 ans. Le petit ours est donc appelé à devenir l'emblème de la survie de l'espèce. Il reste à lui trouver un nom, tâche qui sera confiée aux enfants des écoles. Après les photos, les images qui bougent, avec la sortie mercredi du film Dolores Claiborne, une femme au caractère très affirmé, interprétée par l'actrice américaine Kathy Bates, qui avait obtenu un Oscar pour son rôle dans Misery, inspiré d'un livre de Stephen King. C'est le même écrivain qui est à l'origine de ce nouveau film. Nicole Cornu-Langlois et Jean-Louis Melun ont rencontré Kathy Bates à Deauville. Want to see the dark side? Yeah, I guess it is pretty funny. Dolores a-t-elle tué son mari, ivrogne particulièrement odieux? What the hell you make me do it? Oh my God. She killed her. Dolores a-t-elle tué aussi Vera, la riche veuve pour laquelle elle travaille depuis 40 ans dans un rapport de haine et de complicité?
Le réalisateur a choisi Katie Bates pour interpréter cette femme étrange, énergique, que l'on suit de 35 à 55 ans. C'était un défi intéressant que de recréer le même personnage à 20 ans d'écart et sans l'aide d'accoutrement. Il fallait montrer une femme qui attend toujours tout de la vie et qui garde l'espoir et les rêves. Dolores a tout sacrifié pour que sa fille devienne une journaliste spécialisée dans les affaires policières. Mais depuis l'enfance, leurs rapports sont conflictuels et la suspicion qui pèse sur Dolores peut définitivement les séparer ou les réunir. Push it down that friggin' staircase. That's what you want to know, ain't it? I'm telling you, I did not murder that bitch any more than I'm wearing a diamond tiara. J'aime beaucoup cette femme. Elle refuse d'être une victime car elle survivra, quoi qu'il advienne. On peut tous en tirer une leçon, je crois, surtout à notre époque. We need a piece of your hair, Miss Claven. We're running some tests. How are you now? Just a strand. Go on. Take what you want. Ain't doing any beauty pageants this week. L'austérité et l'âpreté de l'île sur laquelle se déroule cette intrigue étouffante renforcent l'intensité de ce caractère émouvant. Histoire d'eau à 20h50 sur France 2 et que le 7e épisode de La Rivière Espérance, 23h30, le dernier journal, Philippe Lefay, le dicton du jour, à la Saint-Denis, l'oiseau fait son nid, dans un instant le rappel météo en compagnie de Sophie Davant. Demain à 13h vous retrouverez Patrick Chêne et j'aurai le plaisir réciproque, j'espère, de vous retrouver à 20h. Très très bonne soirée, merci.